Si tu veux acheter tes cartes Xbox, PSN ou tes abonnements au meilleur prix, je t'invite à te rendre sur Prestart, lien dans la description. Tu auras tout ce que tu veux à des prix très très bas. Si tu veux te faire plaisir sur FUT 17, rends-toi sur FIFA Coins Buy, fais le plein de crédits et de points FIFA, utilise mon coupon MC73 pour une réduction. Eh bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour un squad builder de folie. Voici mon équipe de FUT Champions, vous allez voir qu'elle est composée de 11 joueurs. On passe sur un dispositif 82, c'est principalement le dispositif avec lequel je suis le plus à l'aise. Sur FUT du coup, bon, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes, on reste sur un 4-3-1-2. Cette équipe, alors difficile d'estimer son coût parce qu'il y a des SBC, etc. Mais c'est vrai qu'elle coûte assez cher, on est aux alentours, on prend une large fourchette entre 800 et à peu près 1 million d'euros, sachant 1 million de crédit, sachant que je vais changer un jour aussi. Vous verrez donc, l'équipe est composée de deux stars, mais ils sont tellement bons. On va commencer par un buteur. Alors déjà, quand tu parles de buteur, tu dis ouais, il faut un mec qui sache marquer des buts, un mec solide, un bon buteur, tout simplement. Et bah c'est le cas. On va se rendre directement au FC Barcelone pour prendre Luis Suarez. Et je peux vous dire, mais qu'est-ce qu'il est bon. Franchement, c'est le genre de joueur que j'affectionne en carte régulière. Là, faut savoir qu'il a une carte boost à 93, sa carte SBC à 94 et son TOTY à 88. Donc là, on est sur la carte SIF de Suarez. Et je vous le dis, c'est un pur régal. 10 matchs, 11 buts et 2 passes décisives. C'est entre guillemets le joueur qui a les moins bonnes stats de l'attaque. Donc quand vous voyez déjà ça, vous dites, ah oui, l'attaque, elle est lourde. Eh oui, elle est extrêmement lourde. Pas de défaut à Suarez. Des fois, on le trouve un peu lourd. Des fois, on aurait pu dire, ouais, il est pas trop physique. Ou là, il rate des petits trucs immanquables. Eh ben non. Personnellement, je le trouve très léger. Monstrueux au physique. Finition, pied gauche, pied droit. On voit pas la différence. Il tire, il marque. Il a vraiment une carte intéressante. Je pense que lui, c'est le genre de profil de joueur qui, sur FUT, peut rentrer dans un style de MOC AT. Avec deux bons buteurs devant. Parce que niveau système de passe et de frappe de loin, il est mais alors monstrueux. J'ai marqué une retournée avec lui, une tête plongeante, un coup du foulard. Eh ben c'est parfait avec lui sur Suarez, parce qu'il est vraiment très 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 bon. D'ailleurs, ceux qui veulent faire le SBC de Suarez, tout est dispo sur la chaîne YouTube. On continue, l'autre buteur que j'ai packé. Eh oui, un joueur que j'ai packé, qui coûte en ce moment 300, 400 000 à peu près. Il a un petit peu baissé, il était à 500 000, bon c'est normal. Moi je le garde parce que je vais garder très longtemps et je pense qu'il risque d'être plusieurs fois une forme d'ici la fin de saison. Il s'agit de Gabriel Jesus, le Brésilien. Alors lui, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bon. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Sachant que je l'ai packé en OTW, donc comme vous pouvez le voir, mais il n'avait pas encore pris son plus 4. Hein. Là, j'ai uniquement joué avec lui quand il a pris son plus 4, vu qu'il est dans l'équipe de la semaine en ce moment même. Il n'est pas encore tombé en carte boost, je crois qu'il tombe vendredi en carte boost, vu que les OTW, ça part vendredi. Mais il est énorme. 7 matchs, 10 buts, 4 passes décisives, ça fait un ratio de 2. Alors c'est un joueur que le petit défaut, vraiment le petit défaut, c'est son LV-LV du point de vue attaque, ça passe, point de vue défense. Il redescend un peu trop bas. Du coup, au final, ça ne me gêne pas plus que ça, parce que le MOC qu'on a, il se transforme en poste de buteur. Donc, Gabriel Jesus, un coup, tu vas le voir en numéro 10, un coup en buteur. Et ça, c'est bien. Si vous avez un numéro 10 qui a une bonne finition, très complémentaire, et bah vous allez prendre du plaisir. Et c'est que Gabriel Jesus, il est super bon. Franchement, testez-le. J'ai pas dire que c'est l'un des meilleurs buteurs de première ligue, mais j'ai fait seulement 10 matchs avec lui, etc. Mais il est super chaud. On continue avec le gardien. On a mis les deux principaux joueurs. Et on va formuler une équipe avec le premier gardien. Maintenant, il n'y en a qu'un. C'est un petit français qui va nous servir pour la transition entre la BPL et la BBVA. Je pense que vous avez compris, hein, du point de vue gardien français, BPL, etc. Et bah, je parle bien sûr de Hugo Lloris. Voilà, un joueur très compétent. Alors, c'est pas forcément pour moi le meilleur gardien du jeu. Mais c'est vrai que franchement, dans l'ensemble des matchs que j'ai fait avec lui, j'en ai fait 10. Bah, il m'a pas fait de boulette. Je serais plutôt bon. Donc, on va le garder. Parce que bon, une fois le gardien, c'est aléatoire. Je pense qu'un jour, t'achètes Lloris, il est dégueulasse. Tu le vends, tu le rachètes, il est super bon. Toi, je pense qu'il y a un sort de petite magouille sur le jeu. Mais franchement, Hugo Lloris est très bon pour 20 000 crédits. Le latéral droit, une carte SBC de notre ami Demar. Marcos, et oui, alors j'ai pas fait beaucoup de matchs avec lui, hein, seulement 11, mais je le trouve vraiment très bon. Physiquement, il est au rendez-vous, c'est un petit peu le défaut des latéraux. Hormis Walker, la plupart sont des fois rapides, mais il manque un peu de physique. Et c'est vrai que son 83 de physique fait vraiment la différence. En plus, un petit style charnière, c'est ce qu'il lui faut, c'est parfait. 90 de vitesse, il rattrape tout le monde. Et même niveau du point de vue passe, sans, je trouve qu'il a marqué. Non, il a fait une passive sur Suarez qui avait mis une magnifique tête plongeante. Voilà, donc Demarcos est très bon.
Si vous n'avez pas des Marcos, vous mettez n'importe quel latéral droit. Hein. Vous pouvez mettre Carvajal, Juan Fran, bref, ce que vous voulez. Dans la défense, un Français qui évolue au FC Barcelone. Une carte spéciale, Samuel Umtiti. Et c'est vrai que... Alors, je ne sais pas, mais j'aimerais bien qu'il prenne une petite carte if ou une carte up parce qu'il fait des super matchs avec le Barça. Je suis pas supporter du Barça. Je regarde de temps en temps des matchs et c'est vrai que Umtiti, il est vraiment très très bon. Acheté pour seulement 40 000 crédits. Ce qui est intéressant avec Umtiti, vous allez le voir, c'est que j'ai mis un DC donc gaucher dans l'axe droit et inversement. Et je trouve que du point de vue, la plupart des joueurs sur foot passent par l'axe. Et quand tu mets un gaucher dans l'axe gauche, un droitier dans l'axe droit, je trouve que pour défendre dans l'axe, ils sont pas trop à l'aise les joueurs, hormis s'ils ont 4, 5 étoiles de mauvais pied. Et bah là, je trouve que je défends beaucoup mieux en ayant mis un DC gaucher dans l'axe droit et un DC droitier dans l'axe gauche. Et ça, c'est un très bon point. Donc le voici, Samuel Umtiti, Samu. Alors, on continue avec un joueur, on va partir en BPL cette fois-ci, encore une carte informe. Même pas une carte informe, c'est une carte OTW de Bailly. Bon, il fallait un peu de cheat en défense. Après, c'est un joueur que j'ai pas encore testé. Pour être franc avec vous, je sais même pas si j'ai fait 30 matchs avec lui depuis le début du jeu. Alors, pourtant, on voit tous les week-ends en FUT Champion, mais j'ai pas beaucoup joué avec, pour être franc. Peut-être que son élevé moyen m'a chagriné au début, je sais pas, mais franchement, il est super bon. Là, c'est une carte OTW pour seulement 60 000 crédits. Il a bien baissé, j'en ai profité parce que je sais qu'il va bien augmenter. Et puis, il y a moyen qu'un jour, il marque un petit but ou il fasse une petite passe D, que hop, hop, il est le glisse en carte informe. Donc, ça pourrait être cool parce qu'il est très, très, très bon. Le latéral gauche, apporter un peu de collectif à Bailly. Bon, bah, classique, il n'y en a pas beaucoup, je pense que vous avez compris. Il s'agit de Luke Shaw. Alors, c'est, j'ai pas dire que c'est un joueur cheaté, mais il est très compétent. Pour entre guillemets, enfin encore j'ai acheté 3000 crédits, mais il y a pas mal de temps, donc non, franchement il est bon, franchement il n'y a rien à dire, c'est un latéral gauche que j'aime bien, il est très très solide du point de vue physique. Le rôle du milieu de terrain, ah bah là il faut le joueur phare, le joueur que j'adore, j'ai dû faire 400-500 matchs avec, carte informe, carte OTW, carte régulière. Il s'agit bien sûr, les amis, de N'Golo Kanté que j'avais revendu, que j'avais racheté. Je l'avais vendu 480, je l'ai racheté 438, donc j'ai fait un peu de bénéf. Voilà, 10 matchs, 4 buts, 8 passes décisives. Genre le mec, pourtant, il a une instruction, rester derrière en attaque. Hein. Mais le nombre de corners qui ont été repoussés par la défense et envoyé un missile à l'extérieur de la surface pleine lue, j'ai pas compris. Hein. Pourtant, j'ai marqué des buts avec cette ancienne carte, mais là, depuis que je l'ai racheté, il est... oufissime, pied gauche, pied droit, c'est boum, c'est but. Donc N'Golo Kanté a acheté 438 000 crédits. Ici, alors c'est un joueur qui est pour le moment présent uniquement par choix, par défaut. Je vais le changer normalement. Je vais certainement mettre, alors soit un petit, j'hésite à mettre un petit Chinesa Totti, pour être franc avec vous. Après, je sais pas trop, mais c'est vrai que Gomez, pourquoi je le préfère déjà un Iniesta dans ce rôle-ci et un Busquets? Parce que pour moi, Busquets, c'est un vrai 6, Iniesta, il a plus de statistiques d'un Emosé, et Gomez, c'est quasiment du full 70 de partout. Donc c'est un joueur très complet, comme vous pouvez le voir, 10 matchs, 3 buts, 3 passes. Donc moi, personnellement, je l'aime beaucoup sur le jeu, il est très très important. Et surtout, du point de vue repli défensif, la qualité de relance aussi, ça fait vraiment la différence. On change de côté. Alors, vous avez plusieurs possibilités, mais pour le moment, et par souci de collectif pour N'Golo Kanté, il faut mettre un joueur de Chelsea. Bon, bah du coup, hein, moi, j'ai mis un joueur que j'apprécie déjà énormément, même s'il n'évolue plus du côté de Chelsea. Je pense que vous l'avez compris, des Brésiliens à Chelsea au rôle de numéro 10, il n'y en a pas beaucoup. Et bah, c'est Oscar, voilà. Alors, c'est un joueur très complet, comme vous pouvez le voir, cette match, un but basé. C'est pas le meilleur joueur, mais moi, j'aime bien aussi, parce qu'il est plutôt agréable. Après, on risque peut-être de changer et de basculer sur un autre joueur avec Oscar. J'aurais bien envie de mettre un petit Diego Costa ou un petit Zlatan vraiment en retrait. Mais après, pour le collectif avec Kanté, ça ne marche pas. Et là, le joueur, les amis, que je vais mettre, alors pour vous, va certainement vous déranger. Vous allez dire, ouais, ça va niquer ton équipe, etc. C'est vrai que du point de vue visuel, c'est pas très beau. Hein, faut être franc, c'est pas très beau. Mais par contre, sur le terrain, il est super bon. Je l'ai testé au tout début du jeu. Vraiment, l'une des premières équipes que j'avais fait. Tac, je l'avais testé. Il coûtait 400 crédits, mais vraiment un joueur pas cher. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Il apporte du collectif à la fois à Gabriel Jesus et à la fois à notre ami Suarez. C'est un MOC de Première Ligue. Et il s'agit, les amis, de Ramirez. Et oui, alors c'est pas un joueur de fou. Mais putain, qu'est-ce qu'il est bon. 7 matchs, 4 buts, 8 passes décisives pour seulement une toute petite carte. Je pense qu'il va rester un petit peu et je pense aussi que je vais le remplacer. J'hésite à mettre une petite légende en numéro 10. Je sais pas, un petit Okocha, G, à voir. Je sais pas, je verrai. Pour le moment, pour FUT Champion, même s'il est bon, il fait un peu tâche sur l'aspect visuel. Ça me chagrine un peu, même s'il est super bon, hein, comme vous pouvez être franc. Hein, 7 matchs, 4 buts, 8 passes décisives. Donc, il va certainement être remplacé par un petit numéro 10, je pense.
ou alors redescendre un petit Crespo, je sais pas, mais je pense que pour Foot Champion, vous verrez une légende du côté du rôle du MOC. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette équipe. On se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle vidéo, ou peut-être demain. Je vais déménager normalement vendredi et samedi en local. Donc pour Foot Champion, on va bien décaler. Je ferai peut-être en stream avec vous, je sais pas, etc. Mais je risque pas de commencer vendredi, ça c'est sûr et certain. Donc on décale tout ça et dès que je serai au local, on partira en stream bien sûr pour faire notre Foot Champion. Voilà, prenez soin de vous amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Un maximum de pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bien sûr très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.